Je vous le disais, c'est la mort controversée d'un jeune homme qui est à l'origine de ces violences. Rappel des faits, Huguette. Pillages, barricades, voitures en flammes, affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, pompiers et journalistes pris à partie, scène inouïe, image terrible de Vaux-en-Velin, cette cité dortoir de la banlieue de Lyon, confrontée à la colère de centaines de jeunes. À l'origine, la mort dans des circonstances troubles de Thomas Claudio, 21 ans. 15h samedi, Thomas fait un tour en moto derrière son copain Laurent. Au bout de la rue, une voiture de police. Après, les versions diffèrent. Selon les forces de l'ordre, Laurent prend peur, perd le contrôle de sa moto, entraînant la mort de son passager. Faux, répondent les amis de Thomas. Les policiers ont délibérément coupé la route aux motards. Dans la nuit, le quartier du Mas du Taureau s'enflamme. Des jeunes incendient des voitures. Une, deux, puis trois. Une compagnie de CRS intervient. Affrontement, grenade lacrymogène. À l'aube, le calme était revenu, pas pour longtemps. Le retour.